Indépendante numéro 1. Je voulais pas travailler pour qui que ce soit ni faire n'importe quoi. Il me fallait mon magasin. Au départ, c'était salon de coiffure. Malheureusement, j'ai pas pu le faire. Donc, c'est le magasin de vêtements. C'est bien. Je crois que c'est le rêve de tout le monde. Au départ, c'était un magasin basé sur le rock'n'roll, le rockabilly, le pin-up. C'est plus le cas maintenant, il y a un peu pour tout le monde, des petites tailles, des grandes tailles, un style classique mais toujours un petit côté décalé, des bijoux col Claudine, des bracelets, des foulards. C'est vraiment ici qu'on doit venir si on veut trouver la pièce. La pièce unique, ça c'est sûr, je ne prends pas en collection, il n'y a pas 36 millions de pièces les mêmes, c'est toujours 2-3 pièces. S'il y en a plus, il y en a plus et il n'y en aura plus. C'est pas comme dans les grandes enseignes, il y a du conseil, de l'accompagnement aussi. Donc si ça lui va pas, si ça ne va pas à la cliente, je le dirai honnêtement et je lui dirai pas ça vous va bien alors que ça fait un derrière pareil. Et non, ça non, je suis honnête. Je préfère qu'elle sorte avec quelque chose qui lui va très bien qu'avec quelque chose qui lui fait sac à patate. Donc, ouais, qui nous aide à choisir. Exact, ça oui. Et même si après vous ressortez sans rien, tant pis. Ça, c'est comme ça. Je peux pas mentir. Non. J'aimerais installer un petit salon de coiffure, juste de la coiffure express, un brushing, un chignon, une frange à recouper, c'est tout. Juste de l'express. On achète un vêtement, on a une soirée le soir, je peux coiffer et on est prête. C'est sympa, ça fait un peu relooking. Exact. Ah oui, non, c'est sûr, on change de style avec un vêtement et on fait une coiffure, un brushing, on essaye autre chose et voilà.